aujourd'hui. La représentation de Huawei est satisfaite d'avoir suivi et participé activement à l'évolution technologique de la RDC en 10 ans de présent. Notre satisfaction va crescendo au vu de l'impressionnant nombre d'abonnés enregistrés. Au seul premier trimestre 2015, il était de plus ou moins 35 millions d'abonnés. Il va partager votre quotidien, il vous aidera à vivre plus, à vivre smart, à vivre grand, à vivre des moments formidables et nous bien profiter de la vie. From the back to front, we spank your animal feels never quit, never stop. You raise it on love. From the back to the top, we speak your animal feels never quit, never stop. It's not a tearful that you're for. Nous sommes entrés dans un voyage. Je crois qu'en arrivant, vous avez vécu quelques expériences. C'est par le toucher que nous apprenons à entrer en contact avec notre environnement direct. Et aujourd'hui, en fait, avec le MetS, nous introduisons cet aspect touché au centre de l'évolution de ces téléphones. En quoi est-ce qu'il est beau, le MetS? D'abord, ces courbes épurées, qui sont en fait inspirées tout simplement de la goutte d'eau. Les photographes en savent quelque chose lorsqu'ils prennent en photo cette goutte d'eau-là. Nous avons fait en sorte que la caméra, elle aussi, soit très discrète et à peine visible, de telle sorte que, dans la prise en main, vous ne sentiez quasiment pas qu'il y a un smartphone dans votre main. Il y a également le fait que ce téléphone est un de ceux, aujourd'hui, sur les marchés, qui offre le niveau de saturation de couleurs à l'image le plus élevé. Que ce soit sous le soleil comme en situation de faible luminosité, vous avez toujours le même rendu en termes de couleur à l'écran. Nous avons introduit une nouvelle technologie que nous appelons le Knuckle Sense, qui permet, à partir de votre téléphone, de l'écran, de tout simplement, par un tapotement de votre articulation sur l'écran, pouvoir prendre une capture de l'écran et partager ce qu'il y a à l'écran, à l'image à l'écran, avec vos amis et vos proches autour de vous. Vous voulez lancer l'application caméra, il vous suffit de faire un C à l'écran. Même lorsque l'écran est verrouillé, automatiquement, il passe en mode caméra. Vous pouvez même définir vous-même ce que vous voulez comme fonctionnalité ou comme lettre pour pouvoir lancer une application. Le Huawei Mate S vient en 3 versions. Une version 32 Go, une version 64 Go que nous appelons la version premium, la 32 Go étant la version standard, et celle-ci, la version 128 Go étant la version ultra. Et il y a également le fait qu'à l'écran, vous pouvez définir en pressant, en appuyant très fort sur une zone de l'écran, les parties où vous pouvez les parties où vous pouvez définir des applications que vous pouvez lancer automatiquement. Avec cette technologie Force Touch, de pouvoir peser des objets de 100 à 300 grammes pour tout simplement vous amuser. Et c'est Huawei le premier à offrir cette technologie. Mais une des fonctionnalités que moi j'aime particulièrement, c'est celle de pouvoir réduire le fond de bruit sonore. Lorsque vous êtes dans un environnement de travail, il est capable de pouvoir orienter par un de ses micros, s'orienter vers la source sonore et de pouvoir prendre uniquement cette source et non pas tout le bruit autour. D'une seule entrée de SIM à double pavé, encore une révolution, nous étions les premiers à l'annoncer, mais vous avez la possibilité, au lieu de prendre deux SIM, de prendre sur une des pavés une carte mémoire additionnelle, si cela vous chante, bien sûr. Au Congo, le téléphone est un outil de statut social, et c'est également un outil de mode, et nous avons fait le choix de partir sur le Prestige Gold,
mais évidemment les autres couleurs pourront arriver dans la suite. En termes de prix, le Huawei Mate S, je vois des visages choqués. Tout ça, rien que pour ça, pour ces prix-là.